Et coucou tout le monde, c'est Léa et Antoine pour Hello Supérette. Cette semaine, on se retrouve pour vous apprendre à coudre un petit topété dos nu, col collier. Je sais pas comment on dit, un col comme ça d'ailleurs. Dites-le nous en commentaire. Charlotte, coucou Charlotte, tu m'as fait peur, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu dis bonjour? Ce tuto, c'est un truc super facile et super rapide. Ça nous a pris environ 1h30 de le filmer, donc imaginez combien de temps ça vous prendrait de le faire vous-même. Il n'y a que des coutures toutes droites, il n'y a que des lignes droites, donc c'est pas compliqué du tout, à part pour l'ourlet, et encore on vous donnera une technique super simple pour le faire sans prise de tête. Donc c'est un projet accessible aux très très débutants. On a utilisé environ 1 mètre de tissu, et d'ailleurs nous ce qu'on a utilisé c'était les chutes d'un autre vêtement qu'on avait cousu avant, pour vous montrer qu'on n'a vraiment pas besoin de beaucoup de tissu pour réaliser ce petit top. La jolie blonde que vous voyez dans la vidéo, elle s'appelle Marine et c'était la première fois pour elle qu'elle posait pour des photos ou une vidéo. À la base, on avait décidé de filmer l'intro dans un champ d'oignons parce qu'on nous avait dit que les fleurs des oignons sont un petit peu bleutées, sauf qu'on est arrivé un petit peu tard et que tout était déjà très très sec. Du coup, on a bougé dans le champ d'à côté avec des bottes de paille et le petit pigeonnier en haut de la colline et on trouvait ça plutôt sympa. Donc merci à Marine pour cette super intro et on fait aussi des gros gros bisous à Charline qui est tout le temps là sur les tournages pour nous aider. On te kiffe grave. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne Hello Supérette. On fait des tutos couture et on vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification quand on sortira une nouvelle vidéo, et on vous laisse avec le tuto. Alors pour réaliser ce top dos nu super facile, il vous faudra environ 1 mètre de tissu, et nous on a utilisé du crêpe pour que le top tombe mieux, que ce soit un petit peu plus fluide. Pour commencer, on va venir plier notre tissu dans le biais. Quand on coupe un vêtement dans le biais, ça rajoute un tombé un peu plus élégant. Et pour ça, on fait correspondre la lisière de notre tissu avec le bord découpé. Donc là, on a notre tissu plié en deux, et du coup on va venir redécouper les bords de manière plus propre. On se place au niveau de la pointe et on va venir découper une ligne qui mesure environ 12 cm. L'important à cette étape, c'est d'être bien perpendiculaire au pli et pas à la lisière. On est en train de découper le haut du top et on veut que la ligne soit droite quand on dépliera notre tissu. Ensuite, on va mesurer la hauteur du top. Pour ça, on part du haut du top le long du pli et comme on voulait un top un petit peu crop, on est venu le découper à une cinquantaine de centimètres. Et du coup, on va venir découper une sorte de S pour que l'arrière de notre top soit plus long. Alors maintenant, on va venir coudre le dos de notre top, et comme c'est un dos nu, on va venir coudre que le bas du dos. On a placé un repère à une cinquantaine de centimètres également en partant du haut, et on va venir assembler le petit morceau de tissu qui nous reste en bas du dos, à un centimètre avec un point d'arrêt au début et à la fin, et on vient écarter notre couture au fer à repasser. Pour finir le dos, on va venir faire un ourlet sur l'envers de chaque côté de la fente. Et pour que ce soit plus rapide et plus simple, on fait qu'un seul pli et on surfile pas parce que notre tissu s'effiloche pas. Si jamais vous voulez un rendu super propre ou que votre tissu s'effiloche trop, vous pouvez venir le surfiler ou alors réaliser un ourlet avec deux plis. Le seul truc technique, c'est de s'arrêter en bas de la fente. On lève le pied, on pivote le vêtement, on rabaisse le pied, on traverse la couture pour aller de l'autre côté. On relève le pied, on pivote le vêtement, on rabaisse le pied et on remonte tout en haut. On va former un tube au niveau du col pour pouvoir enfiler une ficelle et la nouer dans la nuque. Pour ça, on vient coudre un premier pli de 1 cm sur tout le haut. On vient l'épingler et on coud ça à la machine. Et ensuite, on vient coudre un deuxième pli d'environ 2 cm dans laquelle on est sûr que notre ficelle passera. On va réaliser nous-mêmes notre petite ficelle, mais sachez que vous pouvez aller encore plus vite en achetant une jolie ficelle à la mercerie. Donc du coup, on vient découper une bande de quelques centimètres de large, mais ça n'a pas vraiment d'importance. On la plie en deux dans le sens de la longueur, et on va venir faire une couture à 1 cm du pli. Si vous la voulez plus fine, vous pouvez coudre à moins d'un centimètre, mais tout dépendra du tissu que vous utilisez, la méthode que vous utilisez pour retourner, parce que c'est un petit peu chiant, on se l'avoue. Ensuite, on vient découper les valeurs de couture très près de la couture, et on retourne le tout avec une épingle à nourrice. On donne un petit coup de fer sur la cordelette et avec une autre petite épingle, on vient l'enfiler dans le haut de notre top. Et c'est bientôt fini. On est venu coudre un ourlet sur le bas et on l'a fait en deux étapes pour pas trop se prendre la tête. Donc on a fait un premier repli d'environ 0,5 cm qu'on est venu fixer à la machine sur tout le tour du petit haut. Et on est venu replier ce premier pli et repasser le tout sous la machine. Alors en effet, ça vous fait deux coutures sur l'envers, mais ça ne se voit pas. Mais on trouve que c'est vraiment moins prise de tête que d'épingler un ourlet. Voilà votre top dos nu, asymétrique et super facile et terminé. Ça devrait pas vous prendre plus d'une heure, c'est vraiment un tuto spécial débutant.
Et ça fera son petit effet chez les copines, on en est certain. Si jamais vous réalisez ce petit top, vous pouvez carrément nous l'envoyer sur Facebook, on adore recevoir vos réalisations. Si vous nous suivez sur Instagram, vous pourrez savoir ce qu'on vous prépare dans nos prochaines vidéos. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les vidéos. On vous dit à la semaine prochaine, on vous fait d'énormes bisous.